bien, salut à tous, bienvenue dans Anak Info. On se retrouve pour les 7 sommets des continents. Pas les plus hauts, comme les very big, les very big mountains. Donc voilà, pas les plus hauts, le numéro 7, la Aconcagua. C'est pas forcément les plus hauts, mais ils sont très... c'est les plus connus, quoi, enfin, les 7 montagnes de tous les continents. Donc voilà, la Aconcagua, qui est le plus haut volcan du monde, qui est très difficile à ascensionner, je sais pas si ça se dit, mais voilà, qui se trouve dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud. On commence l'ascension déjà dans un désert brûlant, comme vous voyez ici. Et après, un pic se dessine devant nous, comme vous voyez. Oh pardon, je mets tout ça avec ma salive, ça devient fou. Oh là là. Oh. Comme elle bouge les cheveux à la fin, c'est une grosse cochonne, elle en met partout et ensuite elle peut gâcher de la cannelle. Remets-la Michel, allez. C'est tellement débile. Bon alors j'en finis avec la Aconcagua et voilà. Donc marrez-vous bien. Numéro 6, le Kilimandjaro. Je vous avais dit qu'on allait se taper les barres. Donc le Kilimandjaro, qui est un volcan magnifique. Je l'adore. J'adorerais le monter. Voilà, ça, en plusieurs camps, à l'Himalayiste, on appelle ça. Car il y a deux styles de grimpe, le style alpin, donc on monte et on descend. Et le style Himalayiste, on est totalement autonome. On a tout notre équipement et on monte et on redescend. Voilà, comme vous voyez ici. Voilà, voilà. La forêt tropicale autour, faut savoir qu'un volcan c'est très fécond. Et voilà le style de glacier qu'il y a au Kilimandjaro. Et voilà, comme vous voyez, une énorme bande verte. Donc c'est de la forêt tropicale, comme je vous disais. Numéro 5, le mont Denali ou McKinley. Donc McKinley qui se trouve en Alaska. Le mont McKinley que vous voyez ici. Il est magnifique. Il ressemble un peu au Mont Blanc, mais en plus conique, plus gros. Il est énorme, énorme. Donc si vous voulez voir les 10 montagnes les plus hautes du monde, vous irez voir ma vidéo. Je mettrai tous les liens, genre sur la vidéo de Mont Blanc et tout. Donc voilà, une route magnifique, style américaine, quoi. Et voilà. Et ensuite, voilà, à côté d'un lac, magnifique. Il se dessine derrière avec son petit chapeau, là, blanc, magnifique. Numéro 4, le Mont Blanc. Le Mont Blanc que tout le monde connaît, du coup, bah voilà, ma vidéo que j'ai fait sur le Mont Blanc, je vous mettrai en lien de la description. Donc j'habite par là-bas. Ce qui est pas mal, c'est que le Mont Blanc, voilà, 4810 mètres, est magnifique. Donc on part de Chamonix pour commencer à monter. Pour après, y a plusieurs itinéraires. L'itinéraire normal, c'est on passe par le Goûter. Donc le Goûter qui est un refuge. Voilà. Là, on voit du haut du Mont Blanc, ce qui se passe. On voit ça, c'est magnifique, hein. Donc, toute la chaîne des Alpes. Et le plus haut de la chaîne des Alpes, mais pas le plus haut de l'Europe, parce que c'est le mont Elbrouz, le plus haut de l'Europe. Et numéro 3, Puncak Jaya, ou pyramide Carstens. Désolé si je le prononce pas bien, mais je me suis entraîné, vous voyez. Hein. Donc vous voyez, ici, il sort des montagnes, il est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc les habitants, vous allez voir ici, si vous vous moquez d'eux, vraiment, je suis pas du genre à dire ça, mais allez, vous devez aller en enfer. Les pauvres, ils essayent de survivre dans la forêt, le réchauffement climatique, ils sont pas du tout, c'est tout des gens typiques et hyper forts à mon avis, plus forts que nous. Donc respect à eux, sincèrement. Voilà, comme vous voyez, Puncak Jaya, et le pont de singe que j'aimerais pas du tout faire, je déteste ça. Voilà, comme vous voyez là, il a l'air pas très assuré le mec. Numéro 2, le massif Vinson, le plus haut sommet, le mont Chin ou le mont Vinson, je ne sais pas, j'ai pas trop eu de trucs, je me suis demandé. Voilà, comme vous voyez là de derrière, le mont Chin. Je vais dire mont Chin, mais peut-être que c'est le mont Vinson, hein, je sais pas. Là, le massif Vinson, voilà. Donc, ça fait partie des 13 plus hauts sommets les plus dangereux, je vous mettrai ça en description, j'ai fait une vidéo sur ça. Ça, c'est le mont Chin, j'en suis sûr. Peut-être que c'est le même que le mont Vinson, mais je dis le mont Chin, moi. Voici le mont Chin aussi. Sur toute la massif Vinson en Antarctique, bien sûr, hein. Tout en Antarctique. Là, on voit une cordée en dessous du mont Vinson ou du mont Chin, je ne sais pas. Chin chin. Bon, numéro 1,
L'Everest. Quand je dis numéro 1, c'est pas le plus haut. Hein. J'aurais très bien pu mettre le Mont Blanc, la Concagua, le Kilimanjaro ou n'importe laquelle en numéro 1. Comme vous la voyez ici. Ouh là là, elle est magnifique. Ouh là là, j'aimerais bien la grimper. 8810 mètres, la plus haute montagne du globe. Donc qui a été découvert juste par le mont Sir George Everest. Donc il l'a même pas grimpé en premier. Vous vous rendez compte, il a donné son nom à l'Everest et il l'a même pas grimpé en premier. Donc l'Everest, il se trouve en Himalaya. Il l'a même pas grimpé en premier, il l'a juste vu de loin. Non mais quand même, faut exagérer là. Attendez. Et ensuite, on va voir ici la plus haute ville du monde, donc qui se situe à 8000 et quelques. Non, 7000, je ne sais plus. Et donc, comme vous voyez, l'Everest en derrière. Et donc, c'est malheureusement fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez rigolé, que vous êtes excité comme moi d'avoir une autre vidéo. Donc, dites-moi en commentaire des idées de vidéos, parce que je n'en ai plus trop, du coup, j'en sors pas trop. Donnez-moi des idées de vidéos, continuez à vous abonner et à me liker, ça me fait hyper plaisir, vous pouvez pas vous en rendre compte. Merci infiniment. Donc continuez et lâchez un like, comme d'hab, merci beaucoup. Allez voir la chaîne de Yodadar28, c'était Anakin Zcraft, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pouh.